Donc, dans l'exercice numéro 9, on considère la suite UN définie par son premier terme U0 qui est égal à 0 et par la relation de récurrence UN plus 1 égale 2UN plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Il est demandé de représenter graphiquement la suite UN pour tout entier N encadré par deux valeurs 0 et 4. Voilà. Donc, il est clair ici, hein, qu'on nous demande, alors, bien entendu, de représenter graphiquement, d'accord, la suite UN pour tout n appartenant à cet intervalle, hein, pour tout n encadré par ces deux valeurs. Autrement dit, pour n égale 0, pour n égale 1, pour n égale 2, pour n égale 3, jusqu'à n égale 4. D'accord? Tu m'entends? Très bien. Pour représenter graphiquement la suite UN, on aura besoin de placer les points de coordonnées. Alors, puisque le premier terme, c'est U0. Donc, on aura besoin de placer les points de coordonnées 0, U0. D'accord? Donc, ça, on va l'écrire, hein, pour représenter pour représenter graphiquement la suite UN, on placera sur le graphique donc les points de coordonnées 0, U0. D'accord? 1U1, 2U2, 3U3 et 4U4. Alors, U0 est donné, hein, puisque U0 est égal à 0. Par contre, on n'a pas U1 ni U2. Ni U3, ni U4 qu'il va falloir qu'on calcule. Donc, pour calculer U1, on va le faire en utilisant la relation de récurrence. D'accord? Je rappelle que la relation de récurrence est défini pour tout entier n. Voilà, sauf que j'ai expliqué déjà hier que les entiers naturels sont les entiers à partir de 0. D'accord? Et que pour utiliser la relation de récurrence, on va donc remplacer petit n par 0, hein, par le premier des entiers. Donc, en remplaçant justement l'indice n par 0, ben, ça va nous permettre de calculer le terme suivant. Ensuite, on remplacera l'indice n par 1 dans la relation de récurrence, toujours, hein, bien entendu, pour calculer le terme d'après, et ainsi de suite. Donc, du coup, on va donc utiliser la relation de récurrence avec n égale 0 pour calculer le deuxième terme U1. Donc, on utilise la relation de récurrence. Avec n égale 0, et on obtient alors, on obtient
U indice 0 plus 1 égale 2U0 plus 1. C'est-à-dire U1 qui est égal à 2U0. U0 c'est 0, hein, donc 2 fois 0 plus 1. C'est-à-dire U1 qui est égal à 1. Pareil, hein, il faut calculer U2, on le fait jusqu'à U4. Et là aussi, c'est pareil. On utilise la relation de récurrence avec cette fois-ci l'entier suivant n égale 1. Et on obtient U indice 1 plus 1 qui est égal à 2 U indice 1 plus 1. Donc ça nous fait U2 égale 2 fois U1, mais U1 est égal à 1, donc 2 fois 1 plus 1. On a donc U2 qui est égal à 3. On calcule U3. On utilise la relation de récurrence avec l'entier suivant, donc avec n égale 2. On obtient U indice 2 plus 1 égale 2 U indice 2 plus 1, c'est-à-dire U3 égale 2 fois U2, donc 2 fois 3 plus 1, U3 égale 7. Et enfin, on calcule U4. Par la même méthode, donc bien sûr en utilisant la relation de récurrence avec n égale 3. Donc, et on obtient U indice 3 plus 1 est égal à 2U3 plus 1. C'est-à-dire U4 égale 2 fois 7 plus 1. U4 égale 15. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, du coup, les points qu'on avait dit au départ, là, les points de coordonnées 0, U0, 1U1, 2U2, 3U3, 4U4, eh bien, ça va donner ceci. On placera donc sur le graphique les points de coordonnées. Alors 0, U0, alors U0 est égal à 0, hein, donc 0, 0. Puis 1, U1, alors, sauf que U1, on a trouvé 1, donc on va passer le point de coordonnées 1, 1. Voilà, 2, U2, alors pour U2, on a trouvé 3. 3, U3. U3, on a trouvé 7. Et 4, U4, pour U4, on avait trouvé 15. Voilà, donc il suffit maintenant de faire un repère. Alors, un repère. Peut faire un repère orthonormé, tout simplement. D'accord?
Alors, attention, parce que 15, c'est quand même assez haut, hein, c'est une valeur très élevée. Donc, pour pouvoir la placer, il va falloir réduire son échelle pour l'axe des ordonnées en tout cas. Alors, on peut par exemple prendre un carreau pour une unité, hein, un petit carreau, hein, par exemple. Alors, soit on prend un carreau ou alors on prend un demi-centimètre. Bon. Alors, moi, je prends les carreaux, ça sera plus facile. Alors, un carreau, deux carreaux, trois, quatre, cinq, six, huit, neuf, dix. Bon, je m'arrête à 10. Ici, on a 0. Alors, pareil, hein, de l'autre côté, un carreau, deux, on va jusqu'à 15 là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, après on a 16, 17, 18. Donc ici on a 1. Alors, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ensuite, ici, on a deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Bon. Donc, on a bien pris à chaque fois un carreau. Sur chaque axe. Donc du coup, on va placer nos points, notamment le point de coordonnées 0, 0, c'est le point qui est ici, c'est l'origine du repère. D'accord? Le point de coordonnées 1, 1, bah, c'est le point qui est ici. Le point de coordonnées 2, 3, donc 2 en abscisse, 2 en abscisse, 3 en ordonnée, donc c'est le point qui sera par ici. Voilà. Le point de coordonnées 3, 7. 3 en abscisse. 7 en ordonnée. On fait la jonction. Donc, on obtient le point qui est ici. Le point de coordonnées 4, 15, donc 4 ici en abscisse et 15 ici. Donc c'est pareil, il faut joindre. Voilà, donc on joint verticalement. C'est le point qui est ici. Voilà. Et à partir de là, on a représenté graphiquement la suite UN. Donc, voici donc la représentation qu'on obtient. Donc, je disais qu'on place donc sur le graphique les points de coordonnées suivantes. Point, on obtient alors la représentation graphique suivante. Voilà pour cet exercice. Est-ce que il a été bien compris? Ça va. Exercice numéro 10. On considère la suite UN définie par UN égale N au carré plus 2N pour tout N appartenant à grand N. Donc ça, on peut l'écrire. La suite UN est définie par UN égale n au carré plus 2n pour tout n
appartenant à grand M. Ensuite, on nous demande de calculer U0, U1, U2, U3, U4. Alors, c'est parti. Donc, pour calculer U0, U0 égale, il faut simplement remplacer N par 0, hein, on est d'accord, hein, pour calculer U0, on remplace N par 0. Pour calculer U1, on remplacera par 1, puis par 2, puis par 3. Alors, donc, on remplace par 0, ça nous fait 0 au carré plus 2 fois 0. C'est égal à 0. D'accord? U1. Ça fait 1 au carré plus 2 fois 1. C'est égal à 1 plus 2. C'est égal à 3. U2. Donc 2 au carré plus 2 fois 2. C'est-à-dire 4 plus 4, c'est égal à 8. U3. 3 au carré. Plus 2 fois 3. Donc 9 plus 6, c'est égal à 15. Et enfin, U4, c'est 4 au carré plus 2 fois 4, c'est-à-dire 16 plus 8, c'est égal à 24. Voilà, on a répondu à la première, enfin, du moins, cette partie de la première question. On nous demande, que pensez-vous du sens de variation de la suite UN? Eh bien, il faut regarder comment évoluent les premiers termes, enfin du moins le calcul des premiers termes ici. On voit bien que U0 est égal à 0, U1 est égal à 3, 0 est inférieur à 3, U2 est égal à 8, 3 est inférieur à 8, U3 est égal à 15, 8 est inférieur à 15, et là on a 24, 15 est inférieur à 24. On constate que U0 est inférieur à U1, inférieur ou égal à U2, inférieur ou égal à U3, inférieur ou égal à U4. Ça, c'est la caractéristique d'une suite qui semble croissante. Donc, les termes de la suite semblent croissants, hein. Ils ne font que augmenter en valeur. On passe de 0 à 3, puis de 3 à 8, les valeurs ne font que augmenter. Donc, à partir du moment où les termes de la suite augmentent, ça veut dire que la suite semble croissante. Ça ne veut pas dire que la suite est croissante, ça veut dire qu'elle semble croissante. Voilà, parce que on peut pas dire qu'elle est croissante, parce que pour dire qu'elle est croissante, il faudrait qu'on calcule tous les termes de la suite. Il faudrait qu'on calcule U5, U6, U7, jusqu'à... Il y en a des milliards à calculer. Et comme on ne peut pas tous les calculer, on calcule juste quelques termes pour dire que, bon, apparemment, telles que les choses se présentent, bah, a priori, la suite semble être croissante. Mais pour l'instant, on n'a pas démontré. Donc, par la suite, on nous demandera probablement de le démontrer. Donc du coup, pour répondre à cette question, on va tout simplement écrire, alors que pensez-vous du sens de variation de la suite UN? Eh bien, on écrira que... on constate que... U0 est inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U2, inférieur ou égal à U3, inférieur ou égal à U4. Donc, la suite UN semble être croissante. Ok? Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait répondre ici. Est-ce que c'est compris? Oui. Deuxième question. Déterminer un plus 1 en fonction de petit n. Eh bien, pour déterminer un plus 1 en fonction de petit n, c'est très simple. Il suffit d'écrire la forme explicite un qu'on a ici avec n plus 1. Voilà. Il suffit d'écrire la forme explicite un avec n plus 1. C'est-à-dire qu'il suffit de remplacer les indices n, tous les indices n par n plus 1. Et on aura un plus 1, tout simplement.
Donc, du coup, en remplaçant tous les indices par n plus 1, on obtient donc ceci. Donc, on va avoir un plus 1, qui est donc égal à n plus 1 le tout au carré. Je rappelle que c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable a plus b le tout au carré. Donc, la forme, le développement est a carré plus 2ab plus b carré, plus 2 facteurs de n plus 1. Voilà, il faut développer tout ça. Donc, on a un plus 1 égale, alors, identité remarquable carré du premier terme, plus le double produit, donc 2 fois n fois 1, plus le carré du second terme. Et ensuite, ici, on va distribuer plus 2 fois n. Et ici aussi, on distribue plus 2 fois 1. Ce qui nous donne n au carré plus 2n, hein, puisque 2 fois n fois 1, c'est égal à 2n, plus 1, 1 au carré, c'est égal à 1, plus 2n ici, et plus 2 ici. On réduit, hein, puisque quand on développe, en général, ça va être suivi d'une réduction. Donc, n au carré. Ensuite, on a 2n plus 2n, ça nous fait 4n. Donc, plus 4n. Et ensuite, on a 1 plus 2, c'est égal à 3. Donc, un plus 1 est égal à n au carré plus 4n plus 3. D'autre part, on sait que un est égal à n au carré plus 2n. OK? Voilà. Donc, maintenant, on nous demande d'en déduire un plus 1 que un plus 1 moins un est égal à 2n plus 3. Bon, on va remplacer un plus 1 par son expression. Et on va remplacer un par son expression ici pour pouvoir calculer la différence un plus 1 moins un. Donc, on va donc avoir un. Un plus 1 moins un qui est égal. Alors, pour un plus 1, on a n au carré plus 4n plus 3. Moins un, il faut ouvrir les parenthèses parce que un, c'est n au carré plus 2n. Donc, moins entre parenthèses, n au carré plus 2n. D'accord? On ouvre des parenthèses parce que quand le moins se trouve devant la parenthèse, il change les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, il faut faire attention. Il faut bien faire attention à mettre des parenthèses, sinon c'est faux. Alors, on continue. On a n au carré plus 4n plus 3. Moins n au carré, hein. Donc, puisque n au carré est changé en son opposé moins n au carré, plus 2n ici va être changé en son opposé moins 2n. N au carré moins n au carré, ça fait 0, donc ces deux-là s'annulent. Il va rester 4n. Alors 4n moins 2n, ça fait 2n. Et plus 3. Donc, on est bien d'accord que un plus 1 moins un, hein, la différence un plus 1 moins un, est égal à 2n plus 3 pour tout entier n appartenant à grand N. Et ça, c'est notre résultat. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Petit b, on nous demande de démontrer que la suite un est croissante. J'avais expliqué plus haut que la suite un est croissante si la différence un plus 1 moins un est positive. Et elle est décroissante si cette différence est négative. Et elle est stationnaire. Il y a un petit bug, ça va revenir.
Voilà. Et la suite UN est stationnaire si la différence UN plus 1 moins UN est égale à 0. Bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prouver que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0 pour pouvoir conclure que la suite est croissante. Bon. Sauf que, d'après nos calculs, il se trouve que UN plus 1 moins UN, c'est 2N plus 3. Donc en fait, il suffit de rechercher le signe de 2N plus 3, tout simplement. Signe de 2N plus 3. Or, 2N plus 3, c'est quoi? Il se trouve que petit n appartient à grand N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors grand N, c'est quoi? Grand N, ce sont les entiers naturels. Donc, ce sont les entiers à partir de 0, les entiers positifs. Autrement dit, l'ensemble grand N, c'est en fait tous les entiers n à partir de 0. Autrement dit, n est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que n est forcément positif. Donc à partir du moment où n est supérieur ou égal à 0, bah, si l'on fait 2 multiplié par un nombre qui est supérieur ou égal à 0, bah, il est supérieur ou égal à 0. Et si on ajoute 3, bah, ça devient strictement supérieur ou égal à 3. Et 3 est strictement positif. Donc en fait, 2n plus 3 est strictement positif. Donc la suite UN est strictement croissante. Alors on va écrire ça correctement, parce que on peut écrire ça plus. Il y a une manière plus posée de justifier du signe UN plus 1 moins UN. Donc on va tout simplement procéder par encadrement. Il suffit d'encadrer 2n plus 3 pour n supérieur ou égal à 0. Celui-là est peine à partir. Alors, je rappelle que quand on écrit que n appartient à grand N, d'accord, c'est la même chose que d'écrire n supérieur ou égal à 0. C'est pareil. Donc, on va justifier que 2n plus 3 est positif. Donc, on va déjà écrire la méthode parce que c'est important pour nous. La méthode pour démontrer qu'une suite est croissante. Donc pour démontrer que la suite UN est croissante, il suffira d'étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire le signe de 2N plus 3. Alors, étudions donc le signe de 2n plus 3. Puisqu'on sait que n est plus grand que 0, supérieur ou égal à 0, d'accord? Donc ça, on va l'écrire pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on a n qui est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc maintenant, notre objectif, ça va être d'encadrer 2n plus 3. Donc, pour encadrer 2n plus 3, on va d'abord encadrer 2n. Donc on va multiplier
À la ligne suivante, on va tout multiplier les deux membres de cette égalité par 2 pour avoir justement 2n. Donc ça va nous faire 2 fois n à gauche et 2 fois 0 à droite. Sauf que quand on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, le sens ne change pas. C'est ce qu'on a vu en classe de seconde. Quand on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, le sens est inchangé. Donc, ça nous donne 2n supérieur ou égal à 0, hein, puisque 2 fois 0, c'est 0. Ensuite, il nous faut ajouter 3. Hein, il nous faut ajouter 3 à la ligne suivante. Donc, du coup, on a 2n et on va ajouter 3 à 2n. De l'autre côté, on a 0, on va ajouter 3 à 0. Le fait d'ajouter aux deux membres d'une inégalité un même nombre, que ce nombre soit positif ou négatif, eh bien, cela ne change pas le sens. On était supérieur, on reste supérieur. Donc, de cette façon, on a 2n plus 3 qui est supérieur ou égal à 3. Or, il se trouve que 3 est un nombre strictement positif. D'accord? Donc, on vient donc de montrer, hein, puisque 2n plus 3, c'est un plus 1 moins un. Donc, on vient donc de montrer que un plus 1 moins un est strictement positif. On a donc un plus 1 moins un, d'accord, qui est strictement positif. Donc, alors, bien sûr, c'est strictement positif pour tout entier n, hein, puisqu'on est parti de n supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout entier n, appartenant à grand N, ce qui permet d'affirmer que la suite un est strictement croissante. On en déduit que la suite un est strictement croissante. Je rappelle que la suite un est strictement croissante si un plus 1 moins un est strictement positif. Elle est croissante si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Elle est strictement décroissante si un plus 1 moins un est strictement négatif. Elle est décroissante si un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Et qu'elle est stationnaire si un plus 1 moins un est égal à 0. Voilà. Est-ce que tout ceci est compris? Très bien. Alors, exercice numéro 11. Dans chacun des cas, calculez les quatre premiers termes de la suite un, définie pour tout entier n, puis étudiez le sens de variation en justifiant soigneusement. Alors, on va commencer par la suite qui nous est proposée au petit 1. Donc, un égale n au carré. Donc, on doit calculer les quatre premiers termes de cette suite. D'accord? Donc, je rappelle que la suite un définie par... Alors, on va l'écrire. La suite un définie par un égale n au carré. Alors, elle est définie par un égale n au carré pour tout entier n appartenant à grand N. Donc, on doit calculer les premiers termes de cette suite. Bon, le premier terme, ça va être
U0, hein, puisque comme n appartient à grand n, hein, attention, hein, faut faire attention à ça. Comme n appartient à grand n et que grand n, le premier des entiers, c'est 0, bah, du coup, le premier terme, ça sera quand n est égal à 0. Donc ça va être U0, le premier terme. Il faut faire très attention à ça. C'est très important, ça. Donc le premier terme, c'est donc U0. Et c'est égal à 0 au carré. Alors attention, parce que le premier terme n'est pas toujours U0, hein. Parce que si on nous avait dit que n appartient à n étoile, à ce moment-là, le premier des entiers dans l'ensemble grand N étoile, c'est pas 0, c'est 1. Et à ce moment-là, le premier terme, ce serait pas U0, ce serait U1. Et calculer U0, ce serait faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire très très attention à comment est défini petit n. Hein. Voilà. Donc, on n'avance pas, on n'avance malheureusement pas à l'aveuglette. Donc, U0 est égal à 0 au carré, qui est donc égal à 0. U1 est égal à 1 au carré, c'est égal à 1. U2, alors je rappelle que U2 c'est le troisième terme. On nous en demande 4, donc on s'arrête à U3. Donc U2 est égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4. U3, 3 au carré, c'est-à-dire 9. Voilà. On a fait ce qu'on nous a demandé, on s'arrête là.